Tout s'est enchaîné extrêmement vite pour elle hein, depuis mi-novembre l'année dernière. Une vie professionnelle plus que bien remplie, une vie personnelle tout autant épanouie. Bonjour Émilie Fiorelli. Salut Sam, ça va Et t'as vu, je t'ai fait une intro avec des rimes en i hein, pour coller à ton nom de famille. Bon, Émilie, on est là pour faire un bilan. Oui. Et c'est bizarre parce qu'à chaque fois que nous, on se rend compte, c'est pour faire des bilans. C'est vrai. Bienvenue en 2017 et bienvenue pour le En toute intimité, Inédit d'Émilie Fiorelli. On le disait, tout s'est enchaîné très très vite pour toi donc, depuis novembre l'année dernière, depuis Secret Story 9. Est-ce que tu as vu cette année, enfin c'est un an et demi passé quoi Pas du tout. Alors déjà que je dis toujours que le temps passe très vite, ça ça a été l'année la plus rapide de toute ma vie. Un an et demi, on dirait que c'était encore hier que j'étais dans la maison, que je sortais à peine de Secret. Et non, j'ai rien vu, rien vu passer. Est-ce que j'ai raison si je te dis euh, que tu as changé totalement de, de stratégie de communication Parce que c'est vrai que <laughs> quand tu sortais, quand es sortie de Secret Story 9, tu ne faisais pas de booking, tu faisais quasiment pas d'interview. On ne te voyait pas vraiment. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une toute autre image euh, qu'on a de toi. Comment est-ce que tu peux nous expliquer ça euh, ben, J'ai envie de dire qu'au début, c'était la peur. La peur de cette nouvelle vie, les gens qui nous demandaient en fait euh, tout et rien à la fois, euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Euh, la notoriété, j'en ai jamais rêvé, je savais pas ce que c'était de la découvrir comme ça du jour au lendemain. J'étais complètement perdue, ce qui fait que ben j'ai fermé euh, toutes les portes quoi. Je j'étais je, fermée. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est déplaisant justement cette notoriété Alors au début, quand on est une personne comme moi, très timide et euh, assez, on va dire, euh, moi j'étais très famille, je sortais pas beaucoup. Voilà, c'est mon petit monde à moi et je me mélange pas trop. Euh, C'était euh, surprenant et euh, ça faisait peur. Après, euh, c'est pas désagréable. Parce que dans ce côté-là, il y a quand même de très bons côtés. Maintenant, la notoriété, c'est pas évident. Et on a une notoriété, j'ai envie de dire, excuse-moi, qui est minime, parce qu'on n'est pas non plus des stars, on n'est pas des. Euh, quand je dis des stars, c'est Kim Kardashian, par exemple, je me demande comment elle fait. Mais euh, moi, j'ai une notoriété qui est, qui, voilà, une petite notoriété de, de télé-réalité. Euh, je trouve que c'est assez dur. Et... Ben, attention, parce que c'est une autorité quand même très suivie. Il y a beaucoup ah oui, de réactions, oui, oui. notamment avec les réseaux sociaux. Ah, oui. Et toi, tu réagis aussi beaucoup, Émilie, <laughs> sur les réseaux sociaux. Et il y a à peu près allez, deux mois, tu avais euh, répondu à certains détracteurs. Promis, je vais tout faire pour, avoir, pour vous avoir un code promo pour que vous puissiez vous acheter une vie. <laughs> Moins 30% avec le code Emily Life. Alors, comme ça, on clash tes followers. Alors non, ce n'était pas un clash. Il faut savoir que moi, quand je tweet, euh, je sais toujours qu'il y a euh, ce petit côté un peu d'ironie, mais en même temps d'humour. Il euh, faut prendre les choses au de second degré parce qu'on est sur les réseaux, les gens le problème c'est qu'ils prennent tout à cœur. Moi quand je lis des trucs, c'est vrai qu'au début ça me touchait, à l'heure actuelle j'en rigole parce que voilà je me dis c'est bon il y a d'autres problèmes et d'autres trucs plus graves dans la vie. Euh, maintenant ce tweet-là m'a fait rire en fait à moi toute seule parce que euh, j'ai fait un peu référence aussi au partenariat qu'on faisait et on a le droit, enfin qu'on fait quoi tout simplement, on a le droit au code promo et offrir ça à, à, aux personnes qui souhaitent justement commander nos produits etc. Et du coup je me suis dit tiens ce serait sympa d'un jour créer ce code promo, pourquoi Mais pas. Oui, parce Très bien qu'on parle de ça. Certains followers te reprochent euh, de faire trop de publicité, en gros. Qu'est-ce que tu leur réponds Alors, euh, je faisais trop de publicité parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai décidé de changer une fois de plus ma manière de travailler. Parce que faut savoir que les partenariats, enfin, pour moi, je pense que ce n'est pas un boulot c'est un gain de pain, c'est quelque chose euh, qui, qui est rémunéré, où on gagne très bien sa vie. Maintenant, je pense que pour l'image, après, chacun, euh, on va dire, gère son image comme il veut, mais en tout cas, pour la mienne, je me suis dit que c'était pas correct que je fasse certains partenariats. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent et que les produits euh, que j'utilise, euh, les réels produits que j'utilise depuis des années, ne sont pas des partenariats, mais des produits que je vais acheter moi-même dans mmh. les boutiques. Et euh, les marques qui m'ont contacté, j'ai voulu essayer, tester. Je me suis dit, bon, ben, je ne fais pas comme tout le monde, j'essaie de faire comme tout le monde. Et ce n'était pas quelque chose qui me correspondait. J'induisais en erreur les gens et même moi, je ne me reconnaissais pas dans et ce système. Et ça, que que tu t'en veux Tu as eu peut-être des ouais. remords, une sensation de, je ne sais pas, tromper oui, les, certaines trompé, personnes Tromper, oui, parce que quand j'ai une personne, euh, et je ne pas son prénom, mais une fille que j'apprécie beaucoup, Coup, qui me dit oh, j'ai acheté la même crème que toi elle est au top et tout et euh, ben je me suis sentie mal en fait je me suis dit mais en fait c'est pas ma crème ouais, c'est ta crème que tu porte depuis 10 ouais, ans c'est Mustela pour les bébés euh, ben voilà la Snap en fait quand je stoppe mes produits c'est mes vrais produits et, euh, et aujourd'hui j'en ai marre voilà je me dis bah, je préfère aujourd'hui aller acheter mes mes produits et faire comme j'ai toujours fait c'est tout. Donc, ça, ça veut dire que tu ne le feras plus, quoi. C'est pas que je ne ferai plus. Je suis pas fermée au partenariat, mais je veux que ce soit des marques qui me correspondent, des produits que j'ai soit toujours utilisés ou des nouveaux produits euh, pour lesquels j'ai un coup de cœur. Mais voilà, des textes copier-coller que tout le monde fait. Et on le voit très bien quand c'est un partenariat le texte n'est pas personnel. Euh, non, plus jamais. Et l'ouverture de ton blog, j'ai vu énormément de, de posts à ce, à ce sujet-là. Tes fans t'attendent véritablement, attendent vraiment l'ouverture de ton blog. C'est pour quand Alors en fait, j'avais parlé en interview de blog parce que je trouvais que dans ce milieu, ce qui était super valorisant pour une fille, c'était d'être blogueuse parce que j'ai toujours dit que une fille que, que j'adorais et qui a eu un très beau parcours tout en ayant fait ce story, c'est Caroline Receveur, est qui est une grande blogueuse. Mais aujourd'hui, pour moi, pour ma part à moi, je trouve que c'est une fille qui est un peu indétrônable à a son style et personne n'arrivera à, à, à son niveau. Ou elle ou a raison. Elle a voilà, c'est fâchez pas moi, cette fille, c'est je l'adore. Je la trouve trop belle, pétillante. Dernièrement, elle a fait Danse avec les stars. Elle était euh, magnifique. Je bon, bah, elle gagné. Receveur, On voit Caroline Receveur qu'on embrasse, mais oui, aussi refuserait gentiment mon invitation. Moi, <laughs> bon, j'espère qu'elle viendra un jour. J'espère aussi. C'est pour ça que je le place. Et donc, alors, ce blog. Et on donc, du raconter. coup, ce blog. Euh, en fait, moi, j'ai jamais tweeté. Je vais ouvrir un blog en septembre. Je vais ouvrir un blog en 2017. Mais je me suis dit pourquoi pas. Maintenant. Faut savoir qu'un blog, c'est pas qu'un réseau ou un site où on affiche que des photos. C'est un travail. Il faut des marques. Il faut avoir pas mal de monde qui nous suivent derrière. C'est du travail, mais euh, du matin au soir, tous les jours. Et il faut trouver quelque chose qui nous corresponde. Et dans ce milieu, aujourd'hui, c'est très dur. Donc, c'est pareil. Une blogueuse fait des partenariats. Mais faire des partenariats que j'ai fait jusqu'à présent, je peux pas être blogueuse avec ça. Donc, il faut que du, de, de, si demain j'ai une marque qui veut travailler avec moi, à ce moment-là, je peux m'aventurer à être blogueuse. Mais aujourd'hui, en ayant rien, c'est pas possible. Il faut être blogueuse en, déjà, en ayant une marque qui veuille bien travailler avec nous. Et je me développerai en ayant une marque, puis deux, puis trois, puis pourquoi pas une dizaine. Et bah, je te le souhaite. Mais pour l'instant, voilà, je, je préfère que ce soit clair. Euh, je ne vais pas ouvrir un blog du jour au lendemain. Si l'opportunité se présente à moi et si j'arrive à trouver le truc, pourquoi pas C'est Mais je projet. le tweeterai moi. Je le dirai moi si je dois ouvrir un blog. Voilà, exactement sur ton compte Twitter certifié. Exactement. Que l'on citera à la fin. Parlons un petit peu du débrief, Émilie, parce oui. que c'était ta première expérience et tu as eu la chance de faire cette première expérience sur une chaîne du groupe TF1, Oui, D'ailleurs, je les remercie et merci beaucoup à Stéphane Joffre de m'avoir fait confiance. Donc le débrief avec un petit peu de recul. Euh, quel, œil, quel regard est-ce que tu portes sur, sur tes prestations et sur cette première expérience véritablement de chroniqueuse, quoi. Alors, je ne vais, vais pas parler de mes prestations parce que j'ai tendance, moi, à, plus à ressortir le côté négatif. Donc, c'est pour commencer à dire non, non, non ça, non, ça, ça c'est pas la peine. Maintenant, euh, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce débrief. Pourquoi Parce que, déjà, j'ai connu toute l'équipe euh, de bien sûr, de Christophe Adrien, Sans compter eux, que j'adore. Il y a aussi toutes les équipes, la prod et compagnie, qui travaillent que j'ai pu rencontrer enfin parce que tous les journalistes qui nous parlaient dans le confessionnal, je les avais jamais vus. Je les ai rencontrés. En enfin, ça a été euh, trois mois où je me suis éclatée et ça m'a fait. Euh, en fait, ça m'a donné une autre vision de la télé-réalité et surtout de Secret Story parce qu'on est un peu, euh, on est un peu dans les coulisses quoi. Bah, oui. Donc du coup, euh, on voit des choses que pas tout le monde voit, on sait des choses que pas tout le monde sait. Et non, c'est trop bien. Franchement, je me suis éclatée. Est-ce que ça s'est passé comme tu l'imaginais euh, Mieux que ce que je l'imaginais. Alors tu l'imaginais comment Ben déjà moi je suis une fille assez timide et euh, même si j'ai pris un peu de confiance et que je suis beaucoup moins timide qu'avant, euh, je reste timide et euh en fait, j'appréhendais pas avec les garçons, mais avec Julie et leila, Parce qu'entre filles, faut savoir que c'est jamais trop facile, pas une question de jalousie comme j'ai pu entendre au début. Bah, c'est ce que la presse a dit, oui, c'est voilà. la guerre entre non, pas et, et ben C'est juste que Leïla, pour moi, c'était une femme qui m'impressionnait. Ben, voilà, déjà parce que c'est une bombe c'est une bombe atomique, elle arrive à mettre 80 comme ça et tout. On t'embrasse. <laughs> et ben, elle m'impressionnait en fait, elle m'intimidait. Du coup, j'arrivais pas à lui parler, donc elle pensait que moi j'avais un souci, mais pas du tout. Jusqu'au bout de la deuxième ou troisième semaine, ben, on a commencé à discuter. Julie, ben, elle est extraordinaire, c'est la, la petite douceur, euh, comme on la voit à la télé, elle est en vrai, elle est là, elle pimente beaucoup euh, les choses, on va dire, dans le débrief, mais euh, c'est une fille qui a un grand cœur et qui est super sympa, et en plus je me régale à parler avec elle de mode, etc. Non, je me, je me suis éclatée. Qu'est-ce qui était le plus stressant ou le plus angoissant pour toi La première fois où je, je me suis assise dans le débrief, et, euh, et je me suis assise sur le tabouret, je me suis dit, euh, mais aujourd'hui, euh, je dois juger en fait, des candidats. Juger, c'est un grand mot. Donner mon avis, mais le plus qui était difficile, c'est que les gens ne comprenaient pas en fait que, en soi, le poste que j'ai accepté déjà, c'était valorisant pour moi et j'étais contente, même si, ok, on m'a pas entendue pendant trois heures parler dans le débrief. J'avais ma petite minute à moi où, ben voilà, c'est comme ça. On commence toujours au bas de l'échelle, comme on dit. Euh, je... Je, le plus dur pour moi, c'était de me permettre de, de porter entre guillemets un jugement alors que je sortais moi-même du dernier secret. Exactement. Et puis surtout, ce qui n'est pas évident, c'est peut-être, tu vas me dire si je me trompe, et de te dire attention, je vais donner mon avis, mais derrière, et il y a oui. ceux qui à qui ça va plaire et ceux à qui ça va pas. Et plaire. ceux qui m'apprécient pas plus que ça, on va dire, qu'ils me ressortent moi mon expérience dans secret. Mais pour le coup, j'avais envie de leur dire, on est dans Secret Story 10, Secret Story 9, c'est fini, le jugement a été fait pour moi, on passe aux autres. Mais c'est pas méchant, je veux dire. Et puis en plus, c'est un jeu. Et ça, j'arrivais pas à le faire entendre à tout le monde, c'est que c'est un jeu et moi j'ai pris ça mais euh, du début à la fin comme un jeu. Quand je voyais les candidats sortir, pourtant je euh, sais qu'il y en avait que je les adorais pas spécialement, mais ça me faisait plaisir de les voir en vrai. Et je leur disais ça fait bizarre de te voir en vrai, ils me répondaient pareil, mais je me suis dit mais oui c'est vrai ils m'ont jamais vu. Mais euh, c'était ce truc là en fait où euh, je me dis voilà c'est un jeu. Je prenais rapidement du recul sur les choses, mais les gens bon, ils prennent tout à cœur. Mais tu dois crouler sous les propositions. J'imagine est-ce que ça a été un booster pour toi le débrief Alors ça a été euh, un booster, mais toujours dans la télé-réalité. Et euh, c'est pas ce que je souhaite faire en fait, je ne souhaite plus faire de télé-réalité. Ah, pour qu'on te propose beaucoup de. de, de... Beaucoup, non, mais j'ai eu encore 2-3 propositions pour refaire une télé. Pour être candidate Ouais, ouais. Et euh, en fait, moi, l'année dernière, j'avais déjà dit que ça m'intéressait pas. Quand j'ai fait Secret, c'était vraiment pour, euh, pour une expérience, quoi. Et euh, je voulais pas partir sur autre chose. Mais qu'est-ce qu'on que... qu te propose bah on m'a proposé euh, deux trois émissions de télé-réalité euh, que je, 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 je souhaite pas faire quoi. toujours euh, toujours pareil. La Villa des cœurs brisés euh... Ah bah non, t'es pas non, un Non non non, mais puis non, Les puis... anges bah oui, les anges. Enfin bref, on m'a propos... <laughs> proposé deux, trois émissions, j'ai refusé. Et... et en fait, dans la télé, toujours pareil, c'est qu'on vient à nous. c'est pas nous qui allons démarcher les chaînes. Moi, je vais pas me aller chez TF1 ou NT1 leur dire bonjour. Alors voilà, maintenant je suis là, vous me voulez pourquoi Non, c'est eux s'ils ont besoin. Et si ben, ils accrochent avec moi, ils m'appellent et je serai euh, disponible. Ils connaissent mon numéro. Donc c'est plus une carrière à la Leila Ben Khalifa, qui elle a été dans 5 à 7 avec Arthur. C'est encore autre théâtre, chose, Leila. Ou VTEP, est-ce que c'est ça qui t'intéresse, toi euh, C'est ce que j'admire. Euh, M'intéresser après... Euh... C'est toujours pareil, je ne vais pas dire que j'ai le potentiel ou je ne vais surtout pas dire que j'ai la prétention de dire que je peux le faire. Maintenant, si on me le propose, pourquoi pas euh, Après, quand on dit est là pour moi, c'était quand même. Euh, c'était quelqu'un avant Secret déjà. Elle était une star dans son pays, elle l'est toujours d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, elle a reçu se développer euh, intelligemment et euh, chapeau à elle. Mais là, si je te donne maintenant, Emily, une baguette magique ouais. et je te dis je peux t'exaucer là, maintenant, tout de suite, ouais. un œuf, ouais. ce serait lequel <laughs> <laughs> euh, pour travailler dans oui. la télé bah, oui. j'allais dire en fait c'est que <laughs> mon copain joue en France au football comme ça on vient vivre en France et après je peux travailler oui, que tu vis en Italie donc avec ton chéri qui joue ça. pour l'AC Milan je ne suis pas du tout foot mais tu as vu un petit peu comment oui, on croirait bah oui. que je pourrais animer sur Bing mais pas du tout je vous rassure <laughs> mais ça on va en parler juste après parce que avant de parler de ta vie très épanouie, ta vie sentimentale, je voulais faire rapidement un petit point donc sur la proposition que tu avais eue pour les Marseillais et les Ch'tivès, oui. Le reste du monde, on est d'accord, cette proposition elle est arrivée avant le débrief. Hein. Oui. Tu avais dit oui. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un agent. Je travaillais plus avec. Et puis il y a une autre personne qui m'a qui est venue vers moi en fait et je travaillais avec pour euh, ben, pour les partenariats. C'était pas un agent on va dire pour le pour la télé etc. Ça je me débrouillais moi pour me présenter seule. Mais c'était plus qu'un rapporteur d'affaires en parlant. D'accord. Enfin, en... En disant un peu la chose grossièrement, euh, quoi. C'est un rapporteur d'affaires. Et euh, lui m'a dit écoute, si tu veux faire des partenariats, si tu veux fonctionner, etc., et tout, faudrait que tu refasses encore une télé. Moi, je n'étais pas chaude. Et je me suis dit bon, mais pourquoi pas Et moi, je suis quelqu'un qui, euh, comme on dit à Marseille, quand on emboucane un peu trop, après, j'arrive à être un peu influençable, quoi. Et je me suis dit pourquoi pas Sauf qu'en fait, j'étais partie euh, chez W9. Oui, j'avais signé un contrat qui n'était pas. Euh, euh, un pré-contrat. Oui, voilà, c'est un pré-contrat. Et, euh, et en fait, quand je suis sortie de ce bureau-là, je je me culpabilisais déjà parce que je me suis dit en fait ce que je vais faire c'est pas quelque chose que je veux faire. Je commençais déjà à dire oui je veux pas faire ci je veux pas faire ça et tout donc je le faisais à contre coeur. Ouais. Et puis euh, dix jours après je crois j'étais en vacances tranquillou et puis j'ai une responsable que je connais très bien euh, de chez euh, Andemol qui m'appelle et elle me dit ben bah, voilà écoute il se passe ça comme ça et tout est-ce que ça te dit euh, bah, Alors là évidemment que quand on m'a demandé est-ce que tu aimerais bien faire le débrief avec nous euh, et avoir ta toute petite chronique et tout je dis mais pourquoi pas Bien sûr. Donc, le destin, au final, il a, il a, a bien fait, fait les choses. Jeu. Il a bien fait les ouais. choses. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux clairement me répondre chroniqueuse ou candidate Chroniqueuse. Tu même pas hésité Non. C'est évident. Ouais. Et dans ta vie personnelle, est-ce que tu as hésité également de... senti Sentimentalement parlant C'est-à-dire, je comprends pas. Ah est je sais pas, est-ce que c'était le coup de foudre ah, tout de suite avec ton évidence. chéri Ça a été une évidence. Euh, pour moi, j'espère pour lui aussi, mais ça, mais... je n'en doute pas. Oui, oui, oui. <laughs> je te le souhaite et je pense. <laughs> oui. Non, mais en fait, on dit tout ou on dit pas tout oui, on peut Allez, on dit dire. tout. C'est qu'en fait, son chéri Emma est juste en face et il nous regarde. Donc, c'est vrai que c'est délicat un petit peu de parler, mais tu n'as pas de tabou. Non, mais là, je parle pour Non, j'ai aucun tabou. C'est moi parle... qui vais être plus, plus, plus être gênée que toi. Non, non, moi, j'ai pas de tabou. Je, je vais parler, je te dis clairement les choses sans problème. Et Donc, de toute façon, il sait tout. Il sait voilà. Tout et pour ceux qui ne sont pas forcément au courant ou qui, comme moi, ne connaissent pas trop le monde du football, ton chéri est un grand joueur de l'AC Milan. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Alors vous, vous êtes rencontrés comment Alors ce qui s'est passé, c'est que euh, il partait sur Marseille en fait euh, se faire soigner parce que Milan-Marseille, c'est pas très très loin et euh, il avait un docteur là-bas. Je sais pas, il était blessé, il est allé passer un examen et. Il s'avère qu'il a passé un examen dans le, le secteur là où j'habite à Marseille et on s'est croisés. Moi, je, je l'ai vu rapidement et lui m'a remarqué, d'après ce qu'il a dit. Il a tout fait pour me recontacter. Et après, on a commencé à discuter ensemble et, et on s'est vu. Et bizarrement, c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Du jour où je l'ai vu, il est rentré dans ma voiture, je l'ai regardé, j'ai fait waouh! Ce qu'il était beau, mais il y avait quelque chose. Mais je me suis dit, bon, on peut dégager que quelque chose. Oui, mais dans ma tête, je me suis dit, peut-être que c'est l'euphorie, c'est les vacances, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Mais en fait, non. Est-ce est... qu'il te connaissait de Secret Story non. non, il regardait pas, maintenant il regarde Secret, parce que je, je l'ai mis cette année à Secret Story. Mais euh, non, il ne regardait pas Secret Story du tout. Et en fait, il a demandé à son ami qui était avec lui, lui, qui était un peu plus branché, télé-réalité, etc. Il a dit, mais cette meuf et tout, elle a fait Secret Story, elle a gagné, etc. Et voilà, après, on a réussi à... Enfin, il a réussi à me contacter. Et... Mais t'as réagi comment T'as pas été surprise <laughs> Ben moi je me suis dit, il de ma gueule. Enfin, je sais pas. Ah t'as cru que c'était une blague Oui, au début je me suis dit, c'est une blague. En plus, je pensais que. Par exemple, moi je, je sais pas, je, je, suis un peu, je suis un peu dans mon monde quoi. Je pensais que les joueurs de foot par exemple, ils avaient des comptes où euh, ils étaient tellement surmenés dans leur vie qu'ils pouvaient pas les gérer. Donc c'était quelqu'un derrière tout ça. Ou c'était un pote à lui ou quoi. Je me suis dit, tiens, il me parle et tout. Bon, je lui, je lui répondais comme ça jusqu'au jour où. Ben, j'ai vu qu'on voilà, on, s'est changé nos numéros euh, réellement, on s'appelait et, et ça a accroché, Et puis je me suis dit, bon, ben, écoute, tente, tu verras bien. Il te prend pour une idiote, tant pis, ce ne sera pas le premier de toute façon. Et football et téléréalité, réalité <laughs> est-ce que ça fait bon ménage Alors, j'ai envie de dire euh, que football, c'est euh, un métier, footballeur. Ah oui. Et télé-réalité, pour moi, ça reste un métier aussi. Donc... Euh, euh, C'est comme si on dit une boulangère et euh, un électricien, pourquoi pas ben, En fait, les métiers, ça ne veut rien dire. Maintenant, oui, tu vas me dire qu'il y a la notoriété. Il y a aussi le fait que ben, voilà, tu as le statut footballeur. Donc, les nanas, elles sont encore plus euh, à fond dessus. Il euh, ne faut pas se voler la face. Hein. Mais tu étais comme ça, toi, ou pas du pas tout Pas du tout. Alors, moi, j'étais complètement fermée. Parce que mais, du ça, tu as, as dû sortir. le lire. Hein. Oui, Les critiques, hein, bah, tiens, elle, elle est intéressée, avec, elle est intéressée pour l'argent, pour la notoriété. Oui, oui, tout oui. Ça. oui. Après, euh, moi, je ne m'en cache pas, il le sait, ça… Ça a son charme, mais euh, ça valorise la personne. Je veux dire, moi, je suis avec un footballeur. Et ben, moi, pour moi, c'est valorisant. Je me dis, les il sportifs, ils boit pas, il fume pas. Je suis fière, mais bien sûr. Mmh. Et euh, il a une hygiène de vie, voilà saine. Et, et j'aime en fait ce côté-là. Euh, je me suis dit, je suis avec un garçon qui est sain. Mmh. Euh, mais je te dis la vérité, moi j'ai toujours dit, je ne sortirai jamais avec un footballeur. Eh ben Parce que j'avais, moi, mes préjugés, comme tout le monde euh, a euh, bien souvent des préjugés. Je me suis dit, c'est bon, les footballeurs, c'est des coureurs de jupons, ils ont plein de femmes, ils trompent leurs femmes, ils font ci, ils font ça. Et puis leur vie, ça doit être le bordel. Mais pas du tout. Et lui de son côté, ce qu'il avait des a priori ou mais des appréhensions Mais complètement. Mais complètement. Déjà, beaucoup d'amis à lui lui disaient "T'es avec une meuf de télé-réalité." Elle fait de la télé-réalité les bébêtes. Voilà. Euh, lui, pareil. Lui, s'est dit "C'est une gogole. C'est sans mot, ça. C'est une gogole, Je vais flirter avec elle et tout vite fait, Puis on verra bien. Finalement, en étant mis dans le, le panneau tous les deux. Parce que moi, je me suis dit pareil. J'ai dit bah, écoute, passe du bon temps. Si est gentil, il est sympa et tout, tu verras bien." Sauf qu'au bout de même pas une dizaine de jours, j'étais, je le regardais, j'étais Ah ouais, je le regardais. Je me rappelle, j'étais en vacances avec mes copines. Oh, il est trop beau et tout. Je le badais direct. Et là, il envoie un texto et pouf, t'as le cœur qui. Ah chose. oui, non, mais c'est et quand tu m'envoyais pas de message, je laisse tomber. J'étais comme ça, je regardais mon téléphone, j'étais ah ben 30 oui. secondes et tout. Et je savais pas que sur WhatsApp, parce qu'on se contactait sur WhatsApp, vu qu'il était en Italie, il voyait quand est-ce que j'étais connecté. Donc des fois, je regardais, je lisais pas ses messages, et je repartais de WhatsApp. Il me dit, mais je voyais que tu étais connecté. Que je me faisais avoir comme ça, que je voulais faire la fière. Je te fais réagir à un petit message que ton chéri Mbaï a posté sur les réseaux sociaux. Il a mis une photo de vous, tous les deux, et il a mis en légende Je t'aime, ma vie, écoute pas les gens, ils vont tout faire pour nous détruire, mais moi, je sais, avec plein de petits cœurs. Vous ressentez véritablement qu'il y a un sapage de la part de, de certaines personnes euh, contre votre bonheur, contre votre amour Alors attends, avant juste de répondre à ça, je te dis Bien juste sûr. que. Il euh, y a quelques temps, en fait, il l'a effacé ce tweet ah. parce qu'on s'était disputé, on était à la maison tranquille et tout, on s'est disputé, mais pour des, des conneries comme d'habitude. Et puis, euh, très impulsif, parce que c'est son caractère, et lui et moi, on s'est bien trouvé parce qu'on a le même, malheureusement, parce que nous clash à nous, on ne fait pas semblant. Et <laughs> on s'était accroché pour une bêtise, il s'est énervé, il me dit, ah ouais, Eh ben, j'enlève la photo et tout. Et donc, du coup, j'ai dit, vas-y, fais-le, je le provoque, et lui, c'est monsieur défi, c'est-à-dire dès que tu le provoques, il va jusqu'au bout. Demain, je lui dis ben, bah, va pas jouer au foot, euh, sinon on fait pas ça et tout, va pas jouer au foot. Juste pour dire, genre, je vais des ouais, 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 Donc là, il a effacé ce tweet. Après, bon, les gens l'ont remarqué, mais voilà, c'est comme tous les couples. Oui, on s'aime et on s'adore. Moi, je le bad, il est trop beau, c'est le meilleur, c'est mon homme, c'est tout ce que tu veux. On se dispute comme tout le monde. Vous entendez beaucoup de médisances à votre propos Au début, oui. Euh, C'était voilà, les préjugés, le footballeur, la meuf, ça y est, elle va se faire entretenir, il a beaucoup d'argent, etc. Euh, de, nos, de notre famille, non. Par contre, ni de la sienne, ni de la mienne. Euh, maintenant, euh, à l'heure actuelle, je trouve que ça s'est quand même tassé. Après, tu as toujours des gens qui voilà, sont sur toi. Parce que, voilà, ils sont, je ne sais pas, soit ils aimeraient bien être dans ta vie, ou soit ils te détestent au point de tout tweeter, et de tout regarder, tout ce que tu fais. Donc, oui, il y en a qui rêveraient qu'on ne soit plus ensemble, mais pour l'instant, on est toujours ensemble. Ah bah tant mieux, et je vous souhaite que ça dure très longtemps. Et vos familles respectives Comment est-ce qu'elle voit votre relation D'abord, est-ce que vous vous connaissez Vous êtes rencontrés Alors, lui a rencontré ma famille, j'ai ouais. rencontré la sienne. Maintenant, nos familles ne se sont pas encore rencontrées. Voilà. Euh, mon frère Loïc, oui, parce qu'il a été souvent, enfin, euh, il vient souvent à Milan, donc du coup, il a vu ses cousins, etc. Maintenant, nos parents non. Euh, ça se passe très bien, j'ai envie de te dire, et, et mes parents adorent Mbaï, parce que c'est quelqu'un qui. Bah, qui a eu beaucoup d'éducation, qui a eu reçu une très bonne éducation, beaucoup de valeur. Il a la valeur de la famille. Il a, c'est pas le footballeur qu'on imagine où tout le monde se dit tiens c'est un footballeur, il est bling et tout, c'est quelqu'un de simple. Il n'oublie pas d'où il vient et c'est ce que j'adore chez lui. Moi j'aime bien les, bah, voilà j'aime bien les belles choses, mais j'aime que ça reste simple et c'est ce que j'adore. C'est que lui et moi on aime les belles choses, mais tout en étant simple on s'en fout, on se prend pas la tête. On a envie d'aller manger McDonald's, mange McDo. on a envie d'aller s'asseoir dans le McDonald's, on s'assoit dans le McDonald's, je veux dire on est personnes comme des autres. Et lui il est footballeur oui, mais c'est humeur en toute chose. Je veux dire, voilà, il a une vie qui n'est pas différente de, bah de, de, de moi, de toi, de tout le monde. En fait, on fait tous la même chose. Et donc, vous vivez à Milan. Oui, je vis, euh, j'ai pris mes affaires, je suis partie chez lui. <laughs> bah alors, ça fait quoi Alors, Est-ce que tu t'habitues à la vie là-bas Alors, euh... Euh, je ne m'attendais pas à partir. Ouais. Je n'étais jamais partie de chez moi. Maintenant, euh, la relation à distance n'était pas possible. Et surtout avec lui, parce que j'ai aimé dans ma vie, mais pas comme je l'aime à lui et je sais pas comment décrire c'est quelque chose d'indescriptible. en fait juste même à lui je lui dis je, je t'aime mais j'arrive même pas à te dire comment parce que quand je le regarde ça me fait bizarre je me dis oh, je réalise pas des fois je me dis c'est 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 mon mec il est beau il est gentil il est je sais pas il est il est pas parfait parce qu'il a son fort caractère hein. euh, là il m'entend oui oui il entend beaucoup les Euh en <laughs> fait, euh, il fait comme ça. on s'entend bien pour ça c'est qu'on a on a beaucoup de, de points communs commun on a deux forts caractères mais euh, comme je te dis, ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité. Et parle italiano Oh là là Parce que j'ai étudié l'italiano à la Alors je comprends. J'ai dimenticato tutto. Ok, alors donc je comprends parce que c'est un peu transparent. puis à force de l'entendre le dire, tu as étudié l'italien. À l'école, oui. À l'école, mais. J'ai tout oublié. J'ai du mal à parler en fait. Parce que les Italiens parlent très fort. Très vite. Donc des fois, je les regarde, je leur dis "Vas-y, parle tout seul." te plaît. <laughs> » Mais euh, non, il faudrait que je m'y mette. Mais il m'a promis de me prendre un, un professeur pour travailler euh, la langue donc prochaine Itv. Euh, si je veux, je viens, je te parle en italien. On l'a fait en italien. <laughs> ITV. Et est-ce qu'il t'a promis autre chose, M-Bye? Parce que sur Instagram, mmh. sur une photo, mmh. j'ai constaté que tu avais remplacé le haut du mot "love" mmh. par un diamant. Est-ce que je dois y voir un message subliminal Comment ça <laughs> La photo est là. <rire> <rire> ben, je sais pas, non, le, le diamant c'est beau, c'est précieux, il est précieux pour moi. Le diamant c'est l'officialisation. Ça représente, si tu veux, dans l'inconscient collectif, ça représente, euh, et je te l'apprends pas, l'engagement, le, le, mmh. voilà, la concrétisation d'un amour. Bah, ben, écoute, euh... <laughs> je sais pas un quoi peu te répondre. Tu es ouais, gêné. Euh, oui, oui, voilà, tu vois peut-être bien les choses. Sais, voilà, Mais je... vous en parlez, je ne sais pas. Enfin, nous, on parle de tout. Nous, est... on est ouverts. Il n'y a voilà. pas de tabou. Il n'y a pas de secret. Pourquoi qu'un couple fonctionne Et je vois vraiment comment tu fonctionnes et comment vous fonctionnez. Il faut pouvoir parler de tout, et ça se voit que vous parlez de tout. Ah, oui. Et quand ça fait un an, deux ans qu'on est ensemble, c'est vrai que souvent on se laisse aller, tu sais un petit peu à la rêverie, même sur le ton de la déconnade, on déconne. Bah, alors, moi, je veux un mariage comme si de princesse. Ah non, moi, ah, je oui, vais veux... faire ça. Ouais, Pourtant, moi, je veux, je pas veux pas plutôt que ce réveille... soit ta... un petit comité. Ah, tu ouais. vois. Vous parlez de tout ça Oui, oui, oui. On parle de tout ça parce que voilà, aujourd'hui, on vit ensemble et que, et que je pense que. Je suis un peu à l'ancienne et je me dis que voilà, c'est bien d'être en couple, mais je pense qu'il faut un tout petit peu plus pour nous. Pas pour, pas pour le... Même pas pour notre famille, j'ai envie de dire, mais pour nous-mêmes. Moi, je suis comme ça, je suis un peu, voilà, je suis un peu rêveuse, un peu fleur bleue mmh. et je suis une fifille. Donc, je me dis euh, que oui, il faut, il faut un peu officialiser les choses. quoi Et quand vous en parlez... Mais vous... j'en ai jamais parlé, moi. C'est lui le premier qui en a parlé. Ah, C'est pas vrai. Oui, parce que moi, j'étais un peu contre et je faisais un peu ma fière. Ah, il dit non, mais moi, je me dis oui. <laughs> en fait, je faisais un peu ma fière, mais je parlais vite fait avec lui de mariage et tout, jusqu'au jour, lui m'a mis en confiance, et il, il m'avait posé une question et... Et j'ai répondu... Euh, mais quelle question Mais il m'avait dit, est-ce qu'un jour, euh, tu serais capable de te marier avec moi oh. euh, Ça, c'est une très euh, question, quoi. Voilà, voilà quoi. C'est pour tâter ta... le <laughs> terrain. Non, mais t'es radieuse, quoi, quand on ah, en parle. Non, mais je, mais, mais, mais je l'aime. En fait, dès que je parle de lui, mais je parle tout le temps de lui. Je, je, je vis à GN4 avec lui, je suis tout le temps avec lui, je parle encore de lui. Donc ça veut dire que si je reçois le faire part, c'est sur du court terme, terme, moyen terme, long terme Je sais pas. Faut <laughs> demander à lui. Voilà. Mais <laughs> <Et rire> ça te stresse pas que ton chéri soit en face et nous regarde, nous entende parler pendant que tu parles de toi oh, bon, je vous Hé, hey, comment tu vas vrai, toi. Attends, on fait comment quand on est au foot Comme ça C'est vrai ouais. et, et là, je fais comme ça <rire> <rire> pas, eh ben Moi non plus, hein. j'en ai pas. Noël est passé par là. Bon, ben merci de nous avoir fait un coucou, M. Bye. Et <laughs> eh bien voilà. <laughs> eh ben, tu vois, il est timide pourtant. Oui, c'est un gros timide. Et eh bien voilà, tu vois, il est venu, il a fait un effort pour toi. Parfois mm. dans la vie, il y a des cadeaux qui n'ont pas de prix. Et On là, il t'a de... fait quand même un joli petit cadeau. Complètement. Bon, Émilie, merci infiniment. Ben, merci à Vraiment. toi. C'était un plaisir encore une fois. Plaisir Ça, ça allait à chaque fois oui. de discuter euh, avec toi. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2017 Écoute. Je... De l'amour, de la santé, et du bonheur, et c'est tout ce que je te souhaite surtout en retour. Oh, ben bah c'est gentil. Et euh, du boulot, et ben voilà, tout ce qu'il y a de positif et qu'on Exactement, et c'est ce qu'on va souhaiter à toutes les personnes oui. qui sont à la maison en ce moment-même, derrière leur tablette, leur, leur ordinateur, leur console de jeu, leur télé, je sais pas. Téléphone. Voilà, on vous souhaite une bonne année 2017 encore une fois. Une ben bonne chance, de voilà. la santé, du bonheur, de l'amour et. Euh, Plein d'ITV de SAP Voilà, plein d'ITV et puis plein de, de futurs plateaux avec toi également ah oui. Emilie. Ah, puis, on va arrêter de se sais congratuler sais. quand même parce que là on est en train de... Depuis tout <laughs> à l'heure, on est en train de se brosser dans le sens du poil. Alors je vais citer tes réseaux sociaux à la maison si vous voulez. Approfondir cette ITV ou simplement donner euh, votre avis, et bien ton Twitter, Émilie, c'est ss 9 Off. off, et vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a le petit validé, il a été validé, c'est ça, hein Ouais, il est certifié. Il est certifié, voilà, certifié, c'est comme ça qu'on dit. Après Instagram, c'est Emily-du-bas, Fiorelli-du-bas, officiel. Et il enfin, est certifié aussi Il est certifié, mais c'est bien de le dire. Et aussi. je ne vends pas d'iPhone, je ne fais pas gagner d'iPhone, c'est bien de le dire aussi, tu ne fais pas de para-business. Et enfin, ton Snapchat pour pouvoir suivre toutes tes stories, c'est emily secret, secret. tout simplement. Allez, je te laisse le petit mot de la fin et puis on se quitte. Mais ben, je vous fais plein de bisous, merci à tout le monde de me suivre, de suivre aussi Sam de Cébali TV. Et euh, je fais de gros bisous aussi à, à la team du Love, à la team Nyanga et à toutes les teams et à toutes les personnes qui me suivent euh, sans pour autant s'inclure se, enfin, se, dans une team spéciale. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci à tous, bye bye.